Salut tous les nuls et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tout nouveau garage, du tout nouveau bâtiment sur GTA 5. 50 places dans ce garage, nous allons voir ce que ça donne. Rockstar l'a enfin sorti, quasiment 2 mois après le DLC. J'ai envie de dire c'est quand même abusé, mais bon, c'est Rockstar, on les connaît, ils essayent de, voilà, tu connais, faut bien que la mise à jour dure dans le temps, j'ai envie de dire, parce que GTA 6, on attend GTA 6 Rockstar, vous faites quoi, mais hein, au bout d'un moment, on est chaud, on est parti pour la présentation. Et bah du coup c'est parti, vous allez les gars et bien dans Dynasty, vous allez dans voir les propriétés et ici vous avez votre petit garage personnalisé qui coûte quand même 2 740 000. Alors vous pouvez mettre 50 véhicules, je trouve ça plutôt sympathique, bon ça va, 2 700 000 je trouve ça quand même pas trop cher, sachant qu'un bâtiment, ouais quoi, que quand un appart coûte 980 000 x 5, ça fait quasiment 5 millions, à peu près 4 millions et quelques. Ouais, ça se vaut. Bon, après, faut voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on est parti. Alors, choisir l'intérieur, 2 millions, métro, boulot, narco. Allez, faites un effort, il y a bien plus que dans la vie. Oubliez les appartements de luxe, tout ce qu'il faut pour être produit. C'est un garage privé avec 5 étages et suffisamment de place pour 50 véhicules. Ok, donc on peut mettre 50 véhicules, comme je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible là-dedans? On a Immaculé, ok, ça fait un peu laboratoire, ça fait un peu... ouais, ça fait un peu laboratoire, genre vraiment... alors, est-ce que le prix change ou pas? Industriel, non, le prix ne change pas. Et on a Luxueux, Luxueux qui est quand même un peu plus sympathique. Après, en termes de couleurs, ok, c'est les néons qui changent. Oh, pas mal. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un peu toutes les couleurs qu'on a. Orange, c'est pas mal. Le jaune, je kiffe. Le rouge aussi, c'est beau. Le bleu. je pense que je vais partir. Alors, attendez, si on change comme ça. Après, ça fait pas mal comme ça aussi. En blanc. Blanc comme ça. Peut-être blanc avec un... Blanc avec un noir, blanc avec un jaune, non. Non, moi je vais partir sur jaune-noir un peu à la Batman. Hop. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Après les autres, bon, industriel en jaune, je pense pas que ça fasse quelque chose. Industriel c'est bien, bon, ça fait vraiment industriel, genre vraiment, tu vois, c'est du bois, il y a du bois autour. Bon, voilà, suivant, moi j'aime bien les trucs un peu plus sombres, un peu plus criminels. Donc on va partir sur, sur celui-ci. Acheter propriété, 2 740 000, waouh, c'est pas mal du tout, bon, on voit qu'il a disparu, et on a aussi la nouvelle voiture que je vais mettre ici, et que je custom, enfin, que je custom du coup, et la vidéo sortira le soir. Alors, argent et véhicule, où est-ce qu'il est mon véhicule, il est disponible, il me semble, dans South Sandra, ou dans Venice, celui-là, c'est dans... dans la chaîne de Motorsport. Ouais, voilà, 2 millions la Tundra, bah, qu'on va mettre du coup dans la dans le garage là, hein, j'ai envie de dire. Alors comment il s'appelle le garage? Peut-être ça, ouais, le garage Eclipse Tower, je pense, non? Ouais, je pense que c'est ça. Ok, et eh bien allons voir ce que donne le garage. Sortir par le rez-de-chaussée. J'ai mis l'itinéraire ou pas les gars? Attention, je sais pas si j'ai mis l'itinéraire parce que normalement un penthouse, quand tu l'achètes, il apparaît directement sur la map. Ok, et bien c'est parti pour la présentation du garage. Et c'est l'Eclipse Boulevard. Donc garage Eclipse Boulevard en fait. Ok, donc c'est en fait c'est près de l'Eclipse Store, j'ai envie de dire. Alors où est-ce qu'il est mon petit garage? C'est ça? Ah, c'est ça. What the fuck, c'est ce bâtiment, les gars. C'est ce grand bâtiment qui est quand même assez énorme. Alors on voit des véhicules sortir. Oh, il y a une limousine. Oh, il y a une limousine qui sort du truc. Pas mal. Donc voilà, c'est tout ça. Ok. Donc je fais le tour, hein, pour voir s'il n'y a pas des sorties, des trucs comme ça. Donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais. Bon, après, c'est à côté du Eclipse Tower. Donc en gros, c'est sur le grand boulevard, les gars. On va se garer. Alors on peut rentrer, je pense qu'on peut rentrer par là. Avec un véhicule. Ou on peut rentrer directement. Et bien par là. Alors regardez, on a une petite limousine. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis une limousine ici, c'est assez bizarre. D'ailleurs, une limousine qui est abandonnée, carrément comme ça posée sur le truc. Non, ok. Eh bien écoutez, allons voir ça les gars. Et on a aussi le nouveau panneau qui est apparu, Forsal, à vendre. Et c'est parti, on va rentrer et voir
ce qu'il y a à l'intérieur, comment que c'est. Ah ouais, d'accord, on a premier sol, deuxième sol, troisième sol, quatrième sol, et on va le premier sol. Ouais, première attache directement, les gars. Est-ce que les sous-sols changent? Je ne sais pas du tout. Ah ouais, magnifique, incroyable, mais vrai. Waouh, je surkiffe. Voilà, je vous le dis, je kiffe. C'est trop trop beau. Magnifique. On va faire une petite photo, les gars. Obligé, on fait une petite photo, les gars. Quand même. Petite photo, hop, juste ici. Bon, par contre, quand il est plein, ça doit être pas mal. Hein. Hop, voilà. Là, on est au B1 du coup. B1, je trouve peut-être pas A1, non? Logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de disponible? On a une petite cuisine. Ouais. On peut boire du. Oh! On peut boire un petit cocktail, je sais pas c'est quoi exactement. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ok, on peut boire un petit truc. Ici, je pense que bah ici on peut boire de l'alcool, j'imagine. Même pas. Non? On peut pas boire d'alcool. Ouais, c'est très bizarre. On peut boire ça, du. C'est quoi, c'est en fait l'IMS? C'est un jeu, ok, c'est un jeu. Ouais, je dirais c'est peut-être un jus de fruits, jus de framboise ou un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à disposition? On a la télé peut-être, on peut s'asseoir. Je pense, ouais, on peut s'asseoir pour regarder la télé, bon, classique. Sympa. Sympathique. Et ici, on a les caméras de surveillance. Ah, pas mal ça. Attends, on va regarder ça, les gars. On a une caméra dehors. Ok. Extérieur du garage. Extérieur toit. Ah, il y a un toit. Il y a un toit, les gars. Oh, il y a le toit. Attendez, faut qu'on aille sur le toit. Faut qu'on aille sur le toit. Alors, je sais pas comment exactement on va aller sur le toit, mais il faut qu'on y aille, absolument. On va aller par là. Deuxième. Bon, je vais voir si les sous-sols sont les mêmes ou pas, et après on ira sur le toit, les gars. Ok. Normalement, ça doit être pareil, je pense. Je sais pas du tout. Parce qu'on va mettre une cuisine à chaque étage quand même. Ouais, si, hein. Ils nous mettent une cuisine à chaque étage. Bon, bah, ok, il y a 5 cuisines dans ton garage, quoi. Genre, t'es max, quoi. Et on va aller sur le toit, du coup. Le toit qui est aménagé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le toit? Mighty. My God. Oh, shit. Ok. Ah, ouais. Pas mal du tout. Pas mal, ils ont aménagé vraiment un tout petit truc. Hein. C'est minuscule. Bon, j'imagine qu'on peut s'asseoir aussi. Non, même pas. On peut pas boire. Bon, on a une petite vue sur la ville. Est-ce qu'on peut prendre des trucs ici? Non. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Ouais, quand même, pour 50 000, pour 5, 2 millions 7, pardon, nous mettre un petit toit avec une piscine, ce serait pas mal de la part de Rockstar, mais bon. C'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Bon, le toit est aménageable, il y a juste ça en fait qui est aménagé. Ouais, ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, mais bon. Donc, du coup, voilà ce que vous avez à votre disposition. Vous avez le toit, vous avez la cuisine et tout en bas. On peut boire un petit verre de jus. Vous avez 5 étages, on peut mettre 50 véhicules. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien ou pas? Sur ce, ciao!